Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Shinai pour un nouvel épisode de... Bonsoir YouTube. Bon, en off, on a juste fait une petite retouche, ça nous a pris 10 minutes. Ouais, alors attends, on va quand même monter le résultat quand même. Impressionnant, impressionnant. Bah, un couteau 3 étoiles, reforgé par Shinai, 29 de force. On est très très content ici à la Connor Funk Production. Et si j'avais couteau pas raté, qui va changer dans deux combats. C'est ce qu'on peut dire, mais je rappelle que le capitaine traîne la même armure, le même bouclier, la même lame. Et alors la lame, en plus, il la traîne depuis un sacré moment. Hein. Alors, ne regarde pas il la traîne depuis tellement longtemps qu'on a pris le perk pour qu'il soit immunisé au feu. Hein. Pour te donner une idée. Je t'invite à ne pas regarder les stats, les stuff que se trimballe, genre Zunlen. Tu vas râler. Tu vas grave râler. Non, mais je sais que tu te trimballes des vieux trucs parce que tu voulais juste du crit. Mais je sais, hein. C'est pour ça que quand tu disais les mecs sont obsolètes, je regardais mes gars, je fais non, en vrai ça va. Hein. En vrai, Imhotep ça va. Hein. Non, c'est juste chez toi. Hein. Juste tu regardes tes arcs et tu fais ouais, la réalité c'est ça. Hein. C'est pas que les arcs. C'est oui, pas que les arcs. Tes couteaux aussi, enfin tous ceux qui veulent avoir du taux de crit. Voilà. Même pas, en fait, j'étais trop con sur certains trucs. Mais, moi. Mais bon. Donc, le comptoir de Drumback. Alors, on passe au. Attends, pourquoi il y a deux colpotes porteurs là? Alors déjà, moi j'ai une question, c'est est-ce que tant qu'on est ici, on pourrait pas régler le problème avec cette histoire de grès? Non? Ou on pose le grès ici? Ah, mais attendez monsieur, regardez ce qu'il y a dans le coffre! Oh! Attends. À moi. Oh putain. À moi. Regarde ce qu'il y a dans le comptoir d'Arthès. S'il te plaît. M'en fous, à moi. Non, regarde ce qu'il y a dans le comptoir d'Arthès. Bon bah, pas à moi. Sors-moi tout. Pose tout là. Oh putain, par contre, c'est de la vraie merde. Ah oui, parce que attends. Attendez, j'ai compris. Toujours la même histoire. C'est d'ici que ça se fait. Voilà. Hop là, voilà. Dans le comptoir d'Arthès. Non, c'est pas ici. C'est pas inventaire. C'est Arthès. Voilà. 29 assis acadiens. Les 6 grés qui nous manquent sont là. Hein. Je veux dire, si on veut aller finir cette quête, on peut aller la finir. On a ton raisin, on a tes cerises aussi pour augmenter ton... Commencer à faire tes quêtes de machin. Oh putain, il y a du lait, ouais. C'est ça que je vois, moi. Est-ce que tu veux qu'on fasse des voyages gratos pour juste récupérer le loot? On les fait venir et on s'en fout? Ça coûte combien de les faire venir? 50 pièces d'or pour faire venir un lot? On n'est pas à ça près, hein. C'est 100 pièces d'or pour faire venir de l'eau. Ouais, on peut s'en battre les couilles. Ouais, sauf que... Après, faire les allers-retours, ça nous ferait perdre de la... De la bouffe. Pas de la bouffe, du crime. Ouais. Moi je suis pour, et parce que ça nous permet de, au lieu de se dire ah vas-y on prend qu'un lot, on peut tout prendre. On peut prendre l'acier acadien sur nous si on veut, on peut prendre le grès, ouais. On peut prendre les cerises et on peut se prendre le lait. Voilà, et on se casse. Voilà. Mm-hmm. Par contre, c'est quoi les colporteurs? C'est quoi les colporteurs? Il y a un colporteur et un émissaire colporteur. Eh ben, parlons-leur. Without a trade route, the only things I can sell are products. C'est un vendeur, en plus. Ah, et qui vend de la résine. À moi. Et du tissu. À nous. À nous le tissu, parce que les armures, elles en mangent 10 par 10 maintenant. La poudre d'Alazar, pas la peine, j'en ai pas mal. Le fromage, je sais pas si ça vaut le coup. Non, c'est le monde. Le chanvre, ça peut être de la cuisine aussi, hein. Ça coûte 1, je n'avais pas perdu. Hein. Oui, mais enfin, je crois qu'on est blindé de chanvre, hein, monsieur. D'ailleurs, vu que c'est de la cuisine. Et l'autre ouais, c'est de la cuisine. Laisse-moi une demi-douzaine, stuff. Je te laisse tout, même, parce que je sais que je peux me servir dedans à n'importe quel moment. Parce que j'ai 6 infusions sur moi dont on ne se sert pas plus que ça, en vrai. Et du coup, parlons à l'émissaire des colporteurs. Alors, le colporteur, c'est lui qui était vendeur, et là, émissaire des colporteurs, que fais-tu? C'est un honneur de rencontrer, je représente la guilde des colporteurs. Nous suivons vos aventures ever since you started renovating trading posts. We knew your efforts would soon bear wonderful fruit, and we were right. You've made such a reputation for yourselves that several local leaders are willing to let you build a trade route. Trade routes replace roads connecting towns, and since they're paved, they allow for faster traveling.
thanks to this technological advancement, our guild could transport exotic wares. Attends, ça nous permet d'aller plus vite. Sounds great, doesn't it? Et de faire les allers-retours entre chaque ville plus vite aussi. Ouais, si j'ai bien. C'est ça. C'est intéressant. Ouais, c'est toujours sympa. Ok, bon, on va accepter la quête. Then let's build the first route of your future trade network. As your reputation grows, villagers will. Now you just have to pay. Choose a road connecting two towns with a trading post, and we will start supervising the construction right away. Ok. Alors, avantage 20% de déplacement rapide, rapatriement gratuit des compagnons des objets marchandises acceptés depuis les comptoirs reliés. Ah, intéressant. Les colporteurs proposent des ressources, baisse du soupçon 15% plus rapide dans les régions reliées. C'est pas mal. Okay, mais il faut 1000 d'influence et 1500 balles. Et pour aller jusqu'à point de cap. Ah ouais. C'est le même tarif partout. Ok. Bah, va falloir farmer, hein, monsieur. C'est ouais. Intéressant. Ça peut être intéressant. Et du coup, c'est un intérêt vraiment de, même si tu veux pas faire le transport de marchandises, qui n'a absolument aucun intérêt dans ce jeu, disons-le clairement, ça a un intérêt de construire quand même les comptoirs commerciaux à gauche et à droite. Ouais. Du coup, faut qu'on aille chercher notre cam. Là, on voulait voyager pour aller chercher notre cam. Ouais, on va voyager jusqu'à... C'est où déjà? À Cortia. À Cortia. Non, Arthès, tu m'avais dit c'était comptoir d'Arthès. Oui, oui, c'est Cortia. Ah, Arthès, c'est Cortia. Oui, tout à fait. Voyageons, voyageons, voyageons. Et Cortia, Cortia, Cortia. Oh putain, en plus, on va loin. Eh, on pourrait presque récupérer, tu sais, prendre. On fait l'aller-retour, tu sais. Al-Azhar, Arthès. Ensuite, on redescend. On fait aller-retour, donc on va Cortia, on remonte ici et on retourne à Cortia derrière. On récupère de la marchandise et on va à Tiltren. C'est une route qu'on connaît, c'est une route qui se fait rapidement et puis voilà. Pas spécialement suivi, mais je suis d'accord avec toi. Mmh. Sache-le. Alors oui, non. Oula. T'as mis un peu beaucoup de pain. Bah, en fait, c'est chiant parce que d'habitude je fais juste contrôle et il met ce qu'il faut. Là, non, en fait, ça ne fonctionne pas. Et bah. Donc, je vais mettre un peu de tout parce que le pain ça pèse lourd. Donc, je vais quand même mettre du pain. Je fais des mix. Contre, ouais, les 150, les plats qui ne peuvent pas être. Plus 5. Allez, 5 comme ça. Putain. Ok. 5 comme ça. Yes, just 5, merci. Et il faut payer la troupe. Ah, ah ouais? Ah non, il y a 0 à verser, c'est bon, on peut voyager. Ok, on peut voyager. Voyageons. Voyage, voyage. Ça réduit. Ah oui, quand même, ça réduit. Hein. Ah oui. Ah oui. J'aime bien le concept. Hein. J'aime beaucoup le concept. J'apprécie aussi. Hein. Du coup, comptoir d'Arthès, on veut récupérer des trucs. Ouais. Donc, on va aller là. Vas-y. On veut récupérer de la cerise, des côtes de machin. Bon, on peut récupérer toute la bouffe en vrai, non, je déconne. Bah, tu peux, hein, et si tu veux, on peut même déposer. On peut même déposer des compagnons ici, comme ça on mangera moins. Ah, et du coup, juste faire l'aller-retour avec la troupe qu'il nous faut. Ouais, c'est ça. Mais est-ce qu'on va déposer le gré ou pas? Ah, est-ce qu'on le fait maintenant? Moi, j'ai rien contre. Hein. Il y a 100 viandes séchées là-dedans. Je les récupère, on se tire. Je récupère tout, on se casse. Hein. On peut tout. Bah, dans ce cas-là, il faut y aller avec la troupe complète. Hein. D'ailleurs, la purgatrice, là, on la vend ou on se la colle dans le fion? On fait quoi? C'est quoi, la purgatrice? Je sais pas, c'est un masque qui est dedans. C'est toi qui fais ce genre de stock chelou. D'ailleurs, on a des pots, on a des cures pestiférées, je sais pas, ça vaut le coup d'être récupéré. Ça, je prends. Voilà, pareil, les globes oculaires, récupère-les, comme ça on transforme, on vend, on dégage les, on dégage les choses. On nettoie les quoi. On va prendre la purgatrice et on va la vendre. Regarde, il y a un colporteur ici. On est d'accord. Hop. Enfile la picole, mon salaud.
Ça dégage. C'est quoi ces clés là? Une clé ouvragée, une clé dorée. Ah oui, c'est pour ouvrir des trucs. C'est bah, c'est moi qui les ai remontés parce qu'en fait je me les trimballe depuis une éternité. Il a 2 degrés, on l'achète ou pas? De quoi? Il a 2 degrés, on l'achète ou pas? Je sais pas si on en a besoin de Non, plus. non, bah regarde, en fait on en a 8 et alors. Ah oui, merde, ça, du coup, ça, c'est vrai que ça tombe dans mon inventaire, c'est un peu casse-pied. On en a Ah, 14, on a ce qu'il faut. ok, bon bah nickel. Bah dans ce cas-là, on se casse. Petit tour au schéma quand même. Oui, C'est oui, oui. obligatoire, c'est Ici, il y a des trucs traditionnel. intéressants. Taverne aussi, allons prendre une goutte de fric. Oui. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller prendre une goutte de fric? Look how empty this room is. Ah, il y a une nouvelle recette. Sardines aux Oh. champignons. C'est pris. C'est C'est pris. pris. C'est quoi la sardine aux champignons? Dans la poche. Gratin de loup. Oh, le gratin de loup aux champignons, regarde. Bah on va prendre. Hein. Champignons, sardines. Ah, c'est cool. Oh, c'est une recette à la sardine, c'est sympa ça. Dégâts contre les animaux augmentés de 10%. Bon, c'est éclaté. Bon, ok. Mais bon, Un peu chantons. éclaté, mais par contre, le gratin de loup, c'est 5% de critiques supplémentaires, 10% de dégâts, 10% de dégâts critiques Ah, j'ai supplémentaires. pas vu. Ok. Gratin de loup. Ah, oh, ok. Critique augmentée de 5%, dégâts critiques 10%. Ah oui, c'est joli. Tu veux que je prenne C'est ça, c'est super ça? joli. Non, non, pas spécialement. De toute Ok, façon, heureusement, on en a on va y assez. revenir, tu vas chanter. Tu vas Oui, chanter. je. Non, mais on a de la bouffe en stock, hein. Je sais, c'est moi qui dis ça, mais bon. On a 55 jours de bouffe. On a plus de bouffe qu'avant de voyager. Ah oui, on est revenu, on a récupéré peut-être 2 heures d'écart. Insupportable. Attends, Shinai était enfin content à ce qu'on claque de la nourriture en masse, et en fait, c'est un échec. On en a encore plus qu'avant. Oh, faut que j'arrête de rigoler, je fais des conneries. Par Entre contre, autres, ce parce qui que est d'habitude. impressionnant, c'est combien on perd de soupçons juste avec un voyage. Ah, ça nous a mis bien. Hein. Là, on va repartir dans l'autre sens. J'ai gagné un scalpel. Un Cool, je crois que saphir. c'est Et juste un petit 70 scalpel. dollars. Je crois que Toujours le un scalpel, c'est saphir. juste un petit scalpel. Je vais même pas regarder combien je l'ai vendu, mais j'ai vendu un saphir. Je t'ai vendu un saphir. Ah, c'est pas écrit. Et le scalpel, c'était 5, c'est 5 balles. Bon, bah, c'est voilà, c'est vendu. C'est toujours 5 balles de C'est plus, hein. toujours 5 dollars de plus. Hop, apprendre une recette. Oui, nous avons appris la recette. Parfait. Ah, tu voulais voir la. Puis on va y revenir peut-être. Mais eux, on a clean, hein, je Ah. crois. Hein, y a plus rien. Hein. À Ouais, il y a commercer avec ça. Strom Cap. À porter 5 gemmes à Strom Cap. Bah, de toute façon, on refait un aller-retour derrière, donc oui, on peut la prendre. Bah ça dépend, est-ce qu'ils vendent des gemmes déjà? Il me semble. Je sais plus. Je peux pas te dire. Oui, ils en vendent. Ah oui, gemmes, épices et machin. Bah ouais, on peut accepter cette quête, comme ça on va à Stromcap, ça fait des... c'est un terrain qu'on connaît bien. Est-ce qu'on fait Tranquillou. déjà la quête pour aller... Tu sais, pour... on remonte, on refait l'aller-retour, tu sais, on monte, on revient. On monte, on donne le gré, on revient. Parce que c'est pas loin et on pourra Ah. prendre le pont. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Parce qu'après, est-ce que la quête de la gemme sera toujours là? Mais ouais, vas-y, on peut faire ça. Ouais, On peut vas-y, la ça va prendre, on nous peut la arranger. prendre, on peut prendre la quête. On On peut peut prendre prendre la la quête, quête. c'est vrai. Ah oui, vous vendez quoi, vous? Des choux? Non. Putain, des citrons. Citron. Pas de citron. Au Vas-y, je hasard, prends des prends. citrons. Je prends du blé, ça permet de faire des trucs. Je vais pas prendre Des de haricots, j'en ai plein. Ah! Non, j'en ai plein. Je suis sympa, j'en prends pas. J'ai trouvé où on a le héricoque au mouton. Ah, ok. Faut Ah, des apporter. sardines, du coup. Ouais. Je veux bien te prendre des sardines, monsieur. Je vais te Du prendre du lait? porc. Lait, je viens d'en récupérer plein. On en avait. Je te rappelle qu'avant, le lait, ça servait à C'est rien. vrai. Du coup, on en a 30 sur nous. C'est vrai, c'est vrai. Ah, il vend des gemmes, le monsieur. Non, non, faut pas qu'on les prenne maintenant, sinon Ah on oui. va payer de la taxe. Je suis bête. Enfin, oui et Ok. non. Oui et non. On peut les prendre et les laisser dans le comptoir. Oui, c'est vrai, vas-y. On peut les prendre Mais maintenant. je suis pas sûr qu'on ait les Mais moyens financiers. Ouais, non, 450, on les a on pas. aura pas, on n'aura pas les moyens. Attends, déjà ça va dégager. J'ai d'autres trucs à dégager, moi, ou pas? Parce qu'il faut quand même lourder 450 billets, là. Hein. Pour lui acheter son truc. Ouais, t'en avais pas mal, hein, je crois. Allez, 450, on les a. C'est pris. On est beaucoup trop lourd. Et du coup, on va pouvoir les déposer. Alors, par contre, on fait des points. Hein. On a fait lâcher les marchands, bien sûr. Hein. Cuisinier. Hein. Paf, débloqué, on fait du point. On est des marchands avant tout. Hein. Les bonnes affaires, tout ça, tout ça.
Les fourrures, les épices, je sais plus si ça a d'intérêt ou pas, mais bon, on verra ça une autre fois. Hein. Allons au comptoir. Par contre, on ne pourra pas payer les gars. C'est une difficulté, je le reconnais. Je vais donc poser les gemmes. Et du coup, 97 balles, faut payer. Déjà, il faut. Attends, excuse-moi, faut qu'on aille au camp. Parce que quand on voyage, on fabrique des trucs ou pas? Il me semble pas. Parce que toi, tu peux déjà mettre quelqu'un au tonneau là. On a. Tu vas pouvoir faire de l'XP avec ta brasseuse là. Ouais, c'est bon, j'ai mis. Simia, t'es là. Voilà. Non, et je crois pas qu'on fasse des trucs parce que la connaissance n'a pas monté et j'ai pas récupéré de. Mais si on a des cerises. Donne oui, des non, mais cerises. Je veux dire. Non, mais c'est voilà. Pas ça le problème. Comment ça? C'est pas ça le problème. Je dis, on ne crée rien pendant les phases de déplacement. Mais je t'ai remis des cerises aussi. Donc on produit quand même des c'est trucs. C'est très gentil. Voilà. C'est très gentil. On produit de la picole et on adore la picole, bien sûr. Formidable. Évidemment. Évidemment. Et ben, comptoir et puis on se casse. Si, comptoir, le colporteur. Where would you like to go? Voyage. Attendant. Il n'y a rien à payer. Ah oui, il n'y a toujours rien à payer. Ça c'est cool. Bien. Je vais nous en mettre 100 comme ça. Je vais ça veut dire que sur les temps comme ça, on ne les paye pas parce qu'ils font de la route. Trop bien. Bah en même temps, on produit rien ni rien. Je peux comprendre hein, que le jeu te dise, bon allez, vu que c'est trop chiant pour moi à gérer les fabrications, les machins, parce que 3 jours et 10 heures, ça veut dire que vous avez dormi 3 fois, donc 3 fois, faut que je te demande ce que t'as fait au camp. J'ai suspendu le risque de se faire attaquer. Donc en fait, ouais. Est-ce que vu qu'on dort pas dans des comptoirs, dans des auberges, finalement on paye pas, je sais pas, tu vois. Je comprends que le jeu s'est pas cassé le tronc en disant bon, allez les gars, c'est cadeau. Hein. Faites pas chier, c'est tonton qui offre. Voilà, petite bouteille de pif là. Petite bouteille de pif, mon cousin. Je vais me glisser 2 sardines. De la carpe. Ah, c'est du poisson, les gars. C'est, il nous manque 1. Hey. Et une petite infusion. Ah non, on a trop, excusez-moi. Du coup, j'enlève ça. Hein? Bah, 149. Et l'infusion, c'est 1. Ah non, c'est 6 de bouffe, l'infusion. Mm-hmm. Oh, c'est joli. Bah, tu reprendras bien cet écho, ça. Je place après. Hein. La bonne viande séchée de voyage, là. Celle qui régale. J'aime bien, t'entends les twing 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 twing. Oui, t'as toutes les cloches de midi qui sonnent. Oh, on a descendu un niveau de criminologie. Oh là là, quel bonheur. Bah écoute, voilà. Bah, là par contre, il va falloir qu'on paye. Est-ce qu'il n'y a pas une petite quête pas très loin Est-ce qu'on peut rejouer de la ZIC? Ah oui. Ouais, je peux rejouer de la ZIC. Ça part, hein, direct. Hein. Ça part. J'en ai besoin de thunes, monsieur. Je te laisse te concentrer. Fou, hein. Un petit perfect à la ZIC, ça serait incroyable. J'ai raté la dernière note. Sur mon... Pour moi, oui. Je vois toujours ton perso, non pas gratter les cordes, mais seulement avec le pouce gratter la dernière corde. Ça me... Je connais qu'une note. En même temps, je joue très mal, donc... j'ai gagné un rubis. Hop. Ouais, et c'est tout. Bam. C'est vendu. Ouais, bah, c'est toujours ça. Hein, et... Ah, on prend peu de thunes, hein. Regarde, on s'est refait, j'ai de quoi payer la part de mes gars, officiel. On pourrait presque vendre la moitié de notre stock de cuir blanc. Alors, cuir blanc, on a un peu galère à en obtenir, mais je crois qu'on a du cuir aussi tout court, non? On a 40... Ouais, on peut vendre la moitié de notre stock, enfin, parce après bon, non. Ça, on a arrêté de chasser mal de choses, mais... Le cuir blanc, on en a plus besoin, en vrai. Même hein. La graisse, toi, hein, parce que de la graisse, t'en as beaucoup, et vu que t'es capable de la remultiplier dès que t'as besoin, tu peux en vendre la moitié, hein. Oups, j'ai tout vendu.
Alors, c'est peut-être un peu trop, mais c'est pas grave, tant pis, on trouvera des bestioles, faudra tuer des bestioles, hein. Bah, tu peux vendre la moitié du cuir si tu veux. Cette fois-ci, essaie d'en vendre que la moitié, s'il te plaît, par pitié. Oui. Le cuir normal, hein, pas le blanc. Le blanc, ouais, c'est toujours chiant, faut toujours taper des bêtes, donc. Tu vois, je préfère qu'on aille le poser dans un coffre à Stromcap, le supplément, tu vois. Que le vendre parce que c'est pas ce qu'il y a de plus commun. Oh. Pareil, si tu veux voir par là, t'as 73 immortels. Il y a peut-être moyen que tu fasses quelques pièces d'or. À 2 pièces d'or l'immortel, il y a peut-être moyen que tu fasses quelques pièces si jamais t'as besoin, tu vois. Ouais. Pareil, des poudres d'Alazar, je sais pas combien t'en as besoin. T'en as quelques-unes. Bon, après, t'en as 43 quand même. Hein. Les résidus alchimiques, je vais tous les vendre. Ok. Chaque fois que je fais des potions ou des conneries du genre, j'en récupère. La poudre d'Alazar, par contre, je vais en vendre une vingtaine. J'en récupère à chaque fois que je fais un craft. Je sais qu'il y a surtout la couscous et la persil, là, l'iris des neiges et la persil et la couscous qui sont la plus utile. La menthe fraîche, je vais la garder. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc déjà, rien qu'avec ça, déjà, on est bien remonté. Il faut encore des thunes ? Du sang affecté. Le sang affecté, on ne l'utilise pas, mais je vais quand même en. Bon, en sachant qu'on a la capacité de faire régénérer des trucs de rats, qu'on en a encore pas mal à péter. Faut du miel. Il 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 faut du miel ? Oui, pour la para, il faut du miel. Il faut 5 de miel. Ah, alors j'en ai, au cas où. Oui, mais pour le moment, il faut qu'on. Bah voilà, ouais, on a de quoi payer les gars. On est bon. Et on a juste vendu le surplus alchimique. On a très vendu le surplus, hein, par contre, mais voilà, on a juste vendu le surplus. Eh bien, tirons-nous d'ici, à moins que tu veuilles voir les quêtes pour voir si on va récupérer. Non, parce qu'après on va papillonner, c'est pas intéressant. C'est ça. Faudrait qu'on commence à terminer les régions. Hop, voilà. Ouais, c'est par là. Touk, touk, touk. Fais cette quête là parce que ça fait peut-être 2 ou 3 épisodes qu'on se dit qu'il faut la faire et puis. Ce serait peut-être temps de s'y coller quoi. On va s'arrêter là 2 secondes. On va regarder ce qu'il y a sur le pont et aux alentours. Il y a des gardes à côté de l'arène. Donc on va les laisser passer. Juste derrière les marchands. Je pense que YouTube va pas nous en vouloir de pas faire un combat contre les gardes et du coup se barrer. Ouais. Combat d'une heure, on va. Hein. Bon, c'est pas comme si on n'avait pas déjà fait. Hein. Ou alors pendant une heure que des combats, mais regarde la troupe de garde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Sans compter les renforts qu'ils ont forcément. Sans compter les deux vagues de renforts qu'ils ont forcément. Prochain repos, on devra lourder 388, bien sûr. Hop. Pathfinding du jeu. Il est excellent. Il est à chier. Il s'est surtout aggravé. C'est pas une troupe de garde ça encore ? Passe par là. Bien vers. Non, j'ai péri de l'autre côté, mec. Hop, blablabla. Moi je vais pas vers les troupes de gens. Je leur passe dans le bac. Oui, mais en fait, quand t'es dans la. Ils rentrent pas dans la forêt, les gardes, c'est ça ? Si, ils traversent les forêts comme des gros sacs. Si, regarde. Ouais, tu vas où ? Tu vas où ? Tu vas où ? C'est de l'autre côté. Je contourne la troupe de gens obscurs. Ok. Parce qu'ils sont des gardes qui sont juste à côté de nous. Ok. Voilà, et qui rentrent dans la forêt. Tu veux bien me rejoindre ? C'est bon, je vois plus. Non, mais. Ah, bah ok, d'accord. Faut qu'on marche, parce que sinon on va se faire cramer. Ouais, je suis en embuscade. Embuscadère. Ah, il y a la chasse sauvage. Oh yes si, c'est la même chose. Aucune différence. Oh, let's go. Ils en ont mis une d'ailleurs dans Warhammer, c'est rigolo. Cool, il y a des ours. Il y a des ours. Il y en a trois. Hein. C'est, si le jeu nous baisse pas, parce que je sais pas, le jeu est bien de marquer qu'il y a des ours, puis en fait, il y en a pas. Les ours, c'est devenu whip dans le jeu, ou ça se passe comment? Ouf. Bon alors. Sont tous. On envoie un petit cercle organisé autour d'eux là. On envoie 6. Ouais. Alors attention, on peut faire un petit pack. Il va falloir faire un petit pack, je crois. Hein. Avec mon mur. Et il me faudrait 4 volontaires pour aller autour de mon mur. Ouais. Attends. Non, mais attends.
Mais non, je vais me mettre à la place de Melanine. C'est mieux encore. À la place de Sophia. Sophia. Ok, impeccable, impeccable. Impeccabilis. Tu feras gaffe, t'as Mavic qui est toute seule aussi. Oui, elle est toute seule avec son armure. Hein. T'as deux archers isolés. Hein. Et il y a une place derrière mon mur à prendre. Je pense que si Lyanna peut laisser sa place à des gens plus fragiles. Ok, donc ok, ça marche. En vrai, je vais prendre. Attends, Edena elle est là. Lyanna est là. Voilà, je préfère avoir le pack de. Oui, c'est ça le pack d'archers. Quoique, Edena là. Et si je peux prendre la place de ma vie. Voilà, comme ça. Après, n'oublie pas qu'il y a des choses qu'on ne voit pas qui peuvent peut-être arriver de là. Hein. C'est pour ça que j'ai voulu mettre Lyanna. Ok. Voilà. à mon beau mur, 5 points directs. Oui, si tu veux, ou alors. Comme ça, on n'entame pas la base de nos points. Vas-y. Et vu qu'ils sont pas très difficiles, on essaye de tenir avec ce qu'on peut tenir. Ouais. On se fait un petit challenge. Ok. On se fait un petit challenge, voilà. Un petit challenge baston. Hop. Burn baby burn. Personne n'a cramé. Attends, c'est pas fini. Ah voilà, merci. Est-ce qu'on y voit quelque chose. Le monde a retrouvé des couleurs. Le feu, ça rend des couleurs. C'est beau. Mais je me suis pas engagé. Engagez-vous. Tatan, tu vas le buter. Ah oui, mais je vais le tuer. Bah. C'est triste. Je veux pas. Je veux m'engager. C'est quand même, hein. C'est bon. J'ai pris la riposte. Du coup, je tue ce chien. Et je ne bouge pas. Et comme ça, j'ai la riposte. Voilà. C'est du génie ou pas? Ça m'a coûté la même chose, mais j'ai gagné ma riposte. Alors. Alors. De quoi? Je vais peut-être dire des choses. À qui le tour? Le prochain que l'on voit qui va jouer, c'est lui. Ok. Est-ce que tu veux aller positionner quelqu'un près de mon mur avec un arc, poser une zone par exemple? Alors ça va être un peu overkill puisqu'on a quand même comment dire, ça coûte quand même 2 et donc si on veut potentiellement garder des points. Oh, l'ours fantôme, 1200... Il va falloir vraiment que tu revois le mouvement à la hausse de tes archers, hein, je crois. Ouais, et pourtant ils ont 12 de mouvement, hein, presque tous. Hein. Ah non, il faut que je monte Zinlan et... ouais. Zinlan et... Idéalement monter à 14. Mais les 12 niveaux, de mouvement alors que tout le monde est à 14, quoi. Ouais. Voilà. Mais l'avantage, c'est que... Est-ce que je joue pas Sylvanea, je vais me mettre au centre et je donne le déplacement rapide pour tout le monde. Tu peux complètement faire ça, ouais. Tout à fait. Si je vais me mettre ici, j'ai tout le monde. Et de toute façon, c'est le capitaine qui se prendra un loup dans la gueule, c'est pas tellement un souci. Il y a du temps avant qu'il le prenne. Non, c'est le prochain. C'est un sanglier qui joue. Ok, excuse-moi. Et puis, bah voilà. Voilà. Est-ce que du coup vous voulez un cri de guerre? Bah oui, tant qu'à faire. Je propose un cri de guerre, une fois, un cri de guerre deux fois, un cri de guerre autant de fois que vous voulez. Et là, tu peux aller caca. Guerre pour tout le monde. Le cri de guerre pour tous, bien sûr, le fameux. Tu peux aller caquer qui tu veux. Ah, je peux aller boucaquer le cochon qui doit jouer. Vas-y. Du coup, je vais aller boucaquer le cochon qui va jouer. Ah, par contre, j'ai pris des flammes. Ça, c'est rigolo, ça. Oh, je suis en mode solitaire. Loup solitaire en plus, hein. Attention. Allez, au revoir, cochon. C'était un cochon, il était mignon. Tu peux taper lui, c'est celui qui joue après. Hop. Voilà. Alors, je pourrais lui mettre un coup de heurtoir au chien. Mais je vais pas faire ça. Parce que j'économise les points et je peux l'enflammer. Voilà. Il nous reste plus qu'un point, c'est la crise. Si on joue pas des lieutenants pour sortir des points, on est dans la sauce. Je peux potentiellement faire un kill. Je vais juste me mute parce que je vais me moucher. Ouais, t'inquiète. Un instant, je vous prie.
Au passage, tu que pour YouTube. Hein. Tu ne t'es mute que pour YouTube, au passage. Oui, oui, y a pas de souci. Eh bien, oh, bonjour. J'ai généré un point et puis je regarde ma vie. Ok. Hop. J'ai touché deux personnes et puis ça a tapé. Après c'est un loup qu'on voit pas, c'est des trucs qu'on voit pas. Est-ce que juste pour l'amour des animaux, tu veux que j'aille engager un ours qui est un peu long à taper, un peu long à tuer? Surtout si on tape pas, si on prend pas de points, oui. S'il te plaît. Est-ce que je peux faire la dépense d'un point pour soigner les flammes sur un de nos coéquipiers? Évidemment. Je demande, hein. Pas forcément. Bon, sinon j'étais pas obligé de me coller à lui. Hein. Juste que c'était dans les possibilités. Du coup, voilà. Je le proposais. Est-ce que ça nous arrange l'ours dans ce sens-là? Oui, oh, un peu de place. Oui, oui. Oh, oui, c'est très bien, c'est très bien comme ça. Non, mais je vérifie les emplacements. Étonnamment, j'ai moins de force que l'ours. Ça, c'est très étonnant. Je n'ai pas regardé la force de l'ours. 79. Je devais pas être très loin. Hein. 74. Ouais, je suis pas très loin. Hein. Ça commence à. Heureusement que c'était pas amélioré. J'en ferai pas plus, hein. Normalement j'ai généré un point, je suis engagé. Voilà. J'ai remboursé le point que j'ai consommé. Le voilà. Prochain à jouer, c'est ça. Est-ce que avant de taper l'ours, que l'on ne voit. En plus c'est un ours qui ne voit pas. Est-ce qu'on veut l'ordre de William ou quelque chose de, du lieutenant Will ou pas? Ah oui, on peut. Vas-y. C'est une sur question. Les... Parce que t'as tous les tueurs qui sont en haut, regarde. Bah en fait je me demande si t'es tueur. Alors moi je veux bien, mais dans ces cas là je vais replacer Will à côté des gens. Et mm-hmm. Tu nous feras un ordre sur les deux. Sur les gens qui hein, sur les amis des autres et des amis. Ouais. Ah quoi? T'es sérieux? Oh là 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 là, c'est pas sérieux ça. Je peux passer comme ça là. Franchement ça va, t'as le. Je peux avoir Edenal machin. Je pourrais pas avoir Sophia, hein. Vous êtes c'est trop pas grave, loin. C'est pas grave. Vas-y. Donc je fais ça. Voilà, j'ai mis un ordre sur eux. Et ah oui, putain, je peux gambader, hein. Je peux gambader. Alors faut que je fasse mon move en plusieurs trucs parce que sinon je vais marcher dans les flammes. Hop. Tu vois ce que je trouve dommage, un truc qui était bien, c'était sur Nalbuck, les virgules que tu pouvais faire. Les virgules. Ah oui, tu peux t'ajouter des moves. Yes. Enfin, par étape, tu sais. Pour je vais me mettre là pour pouvoir faire un encerclement de l'ours. J'espère que mm-hmm. ça te convient. Oui. Est-ce que tu veux que je. Ah non, ça va, non, ça, on n'a pas les points. On n'a pas les points. Voilà, riposte et tout. J'ai remboursé le point que j'ai consommé. Donc, Sophia va venir ici. Ok. Bah non, je peux pas. Mais t'as pas besoin de. Ah si, alors si, il va falloir que tu t'approches et petite course. Bah, pour ouais, rentrer dedans. Mais après, pour sortir, c'est la merde. Hein. Ouais, c'est. Tu vois, c'est ce misclic à la con que j'ai fait me saoule. Quand on pourra faire un respect. Est-ce que tu veux que je bouge le gros? Je tape, je vais embrouiller le sanglier, terminé. Vas-y. Voilà. Je prends le gros là. Oh, putain, il va marcher dans les flammes le gros. Elle passe par là. Hop. Puis oui, tu vas montrer ton cul, cochon. Monte tes fesses. Montre tes fesses aux gens. Tu vas juste prendre un seul et unique coup de marteau. Voilà, terminé. Je suis engagé. Bon, je génère des points. Tu peux en mettre un deuxième. J'en mets un deuxième. Vas-y, en fait. C'est vraiment parce que vous avez insisté. Voilà. Bon, je peux en mettre un troisième. Non, mais comme ça, Mélanine, elle vient, elle l'achève et tu nous fais des points. Elle l'achève, ça fait deux points, quoi. Exact, impeccable. Voilà, c'est bon. J'ai coulé mon tour. Il y a un ours qui devait jouer. Oh, je tu déteste. Pars où? Tu pars où? Mais t'as oublié de nous déteste. Mettre notre ordre. Mais oui, mais c'est pas ça. J'avais juste. Faut tabasser le cochon maintenant. C'est le prochain à jouer, le cochon. Le cochon, c'est le prochain à jouer. Hein. Merde. Oui, oui, je sais. Oh
Avec meilleur ami et tout, hein. La totale, hein. Vous avez tout pour soulever ce port. Cet ours. Je mettrai pas le feu. Ça sert à rien. J'ai plus de café, c'est un drame. Et puis, je vais venir me mettre ici. Tu vois, ça, j'aurais bien voulu l'avoir sur Sophia. Franchement, de pouvoir traverser tout le monde, c'est un régal. On peut se rosper, hein, je crois, hein, monsieur. Oui, oui, on peut se rosper. Tu peux jouer Sophia. C'est juste que j'étais trop... Pas de misclic avec Sophia, s'il vous plaît. Oui, c'est bon, c'est bon. Restez concentré. Edenal l'a déjà. Oui, oui, Edenal, Zinlan, ils l'ont, ouais. Oh, ouais, les trois. L'idée, c'est que t'étais Will à la base, parce que bah Will, il va surtout se déplacer. Alors, à la base, c'est que t'es Will et Stevie. Hein. En vrai, si je viens ici... Ah, attends. J'en ai quatre. Ouais, mais ce que je peux faire, c'est que je peux déplacer Stevie. Je peux jouer Stevie pour ce tour. Vas-y. Taper l'ours, et je me groupe avec les autres tas, là. Vas-y. Du coup, exceptionnellement, je crois que je vais me foutre dans les flammes pour... Paquet avec les autres. Ah ouais, non, je peux peut-être éviter de me manger de la flamme. Ah ouais, si je passe là, je suis obligé de me manger de la flamme. Oh, bah on va faire le tour, hein. Heureusement qu'on a masse de mouvement, quoi. Je vais faire le tour. Tu voulais pas ce point, hein. Ouais, 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 ouais. Mais je le... Tu sais, quelque part, hein, je trouve que c'est toujours un personnage qui est trop. Je suis désolé, mais... Mais alors, du coup, ça va être emmerdant, parce que si je me... Alors, si je me mets là, tu... Ouais, oh, bah, tu ça te va, là. Max, non, faut que tu... Ouais, là, ça devrait être bon. Non, je t'ai pas. Ah, donc t'aurais... Tu peux pas avoir... Ah ouais, t'auras pas Will et attends, tout. Il faut que je passe de l'autre côté, genre je passe comme là, ça. J'ai Will et Stevie. J'ai Will, Stevie, mais j'ai pas... Mélanine, elle l'a déjà. Mon mur, c'est pas important. Ouais. Si tu peux avoir ma vie, que c'est bien. Oui, j'ai ma vie. Bah, là, impeccable. Vie. T'as les gens okay. Qui s'engagent et c'est bon. Eh bah, vas-y, laisse-moi le tour. C'est suffisant. Ouais. Allez. Tac. C'est bien ça aussi d'ailleurs, ils ont fait un petit ajout, hein. Je vois tes zones maintenant. Et je crois qu'il faut que tu te colles au lieutenant. Colle-toi au lieutenant. Voilà. Si peu de dégâts, hein, mais vraiment. C'est très décevant. Bon, je vais dépenser 2 points. Hein. Oui, vas-y. Presque. Je reste là-dessus, on est d'accord, hein. Oui, oui, je pense que, de toute façon, Zinlan, il se déplace juste, il met une flèche et on n'en parle plus. Non, c'est celui qui joue juste après. Ah oui, c'est... Ah oui, merde, c'est lui qui joue après. Ah bah si, tu peux, t'as plus rien, de toute façon. J'ai encore mon Kourou. Je peux l'achever. Ah, qui coûte 2, c'est ça? Non, qui coûte 1. Eh bah oui, bah Kourou-le, il nous reste un point. Voilà. Ça nous fait un point, puis terminé, t'es remboursé. Très bien. Non, puis... Je peux pas me mettre sur son cadavre en plus, tu vois, c'est con. Le jeu refuse que je me déplace sur son cadavre. Ah oui? Ah oui, totalement. Regarde, le cadavre prend de la place, ah oui. Mais maintenant, non. Plus maintenant. et bah écoute, je jouerais bien un petit Edenal pour donner 2 points, mais après j'ai pas de cible en vue quoi. De toute façon, c'est mes deux archers et j'ai pas de cible en vue. Bah tu te places à côté de quelqu'un, enfin dégager la zone au cas où il y aurait des gens à côté de vous, et puis voilà, terminé hein. Voilà. Donc là, normalement, il y a une bestiole qui a joué, mais ils sont tous dans la fumée. Bah viens de groupir avec nous, on va passer des bonnes journées ensemble. Hein. Voilà. On va passer des... Un cauchemar apparaît. Un cauchemar vient d'apparaître. Ah, il est en bas, là. Ok. Tu le vois? Ouais, il est en bas à droite. En bas à droite, je le vois pas. Enfin bref. Est-ce que tu veux que je remette un coup de mouvement ou pas? Ça peut se faire, ouais. Hop, je vais me placer ici. Comme ça, j'ai vraiment tout le monde. Voilà, et t'as dit qu'il était sur le bas, donc... Tu veux que je te le montre avec mon mur? C'est bon, je l'ai. Je le vois. Tu le vois? Ok.
Il est où le gros? Il y a le gros. Mais le gros, il peut pas passer, je crois. Ah si, okay. Il peut passer par là. Ouais, je peux peut-être aller embrouiller tout ça là-bas. Vas-y, si t'as envie. Qui est-ce qui joue? Bah, c'est des trucs qu'on voit pas. Ah, il y a pas d'urgence. Oui. Si jamais. C'est toujours les trucs qu'on voit pas. Si jamais, il y a pas d'urgence. Je peux utiliser un Zinlen, j'ai dégâts triplés sur le sur une créa. Ouh, bah vas-y. En venant me placer ici ou en loup solitaire là sur le à l'écart. Bah, je prends le feu dans tous les cas. Oh chiant, la zone de feu. Je vais en faire. Là j'ai une collate mon gars. 1, 2, 3, 4, 5. La tirailleuse elle a envie hein. Ah là 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 elle a envie. Ça se fait une belle non, ligne. Bêtement, hein, je peux faire. Je peux faire ça. Venir ici. Mettre un tir ici. Gratos, tiens, ta gueule. Je peux peut-être même lui en mettre un deuxième et qu'il retourne. T'as pris une terreur ? Ouais, quand tu le tapes, tu prends une terreur. Ok. Je vais dépenser un point pour le renvoyer dans le brouillard. Comme ça, on le verra pas, il nous emmerdera pas. Ouais, sauf qu'on peut le one tap, donc non. Ah ok, bon bah dans ce cas-là, regarde. Hop. Bon, on s'en fout, on peut le one tap, donc. J'ai généré deux points et puis on n'a pas. C'est pas un problème. Ça, je te dis, y a pas d'urgence. Pareil, je vais claquer juste le tour de mes lieutenants. Voilà. Okay. Je vais rien faire de. Ah quoi que si, du coup, ils ont des moves de bâtard. Oui, on peut faire un truc ou deux rigolo. Si, là, il y a un cochon qui va jouer. Bah, le prochain cochon à jouer, c'est celui-là. Jamais il nous atteint. Hein. C'est ça le truc. Ah oui. Il a un move dégueulasse. Ah oui, il a un move un peu dégueu. Après, si tu veux aller taper le cauchemar, je sais pas si tu. Je prends un lieutenant, je peux aller n'importe où sur la carte, quoi. Ouais, mais voyage. Tu pourras pas revenir pour générer le point. Donc, Non, c'est clair. Donc, moi, je voudrais juste. J'aurais juste avancé, taper ce con et voir si je pouvais faire demi-tour. Mais je vais juste rester sur place et je vais faire. Attends, t'as combien de mouvements? Non, je vais rester sur place, je bouge pas. Voilà. J'en fais pas plus. Je vais reclaquer un autre lieutenant. Et j'en ferai pas plus. Je vais me positionner ici. Voilà. Voilà, c'est tout. Je vous ai fait 4 points. C'est les meilleures actions qu'on puisse faire. Ça a lagué pour moi, ça a lagué. Ok. L'ours il va arriver par contre. Lui je crois qu'il peut gagner inspiration. Voilà. Lui peut gagner inspiration comme ça? Pour le plaisir d'offrir. Pour le plaisir d'offrir. Donc un taurus, un mont mur, un truc. Peut-être un mont mur en bac. Et si tu veux, je peux. Ou alors je peux prendre Zinlen et mettre. Je vais envoyer un vrai tank le scotcher. Hein. Je vais envoyer un vrai devant. Voilà, je vais envoyer ma vigue scotcher ce gros tas. Ouais, ok. Et puis voilà. Hop, 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 hop. En plus, elle prend des points quand elle. Si c'est juste pour le scotcher, je peux peut-être taper un loup gratos. Ça a combien de force un loup? 55. C'est très acceptable, je crois. Vas-y. 74, je peux peut-être one tap un loup tant que j'y suis. Mm-hmm. Ah! Je lui laisse 3 points de vie. Vas-y, essaye toujours. Hein. T'as ton coup de bouclier, toi, ça me semble. Ah oui. Mais non, c'est pas elle qui l'a. C'est pas elle qui l'a. Eh ben non. Bah, du coup, si je tue pas le loup, je prendrai un. Je vais prendre un ours dans le dos. Non, tue et puis va l'engager, de toute façon. Tu t'es engagé, t'as généré 2 points. Ah oui. Ah oui, c'est vrai que du coup, je génère 2 points. Je suis boosted. Oh vas-y, je dépense des points n'importe comment, vite, je cours, et je tape le mec. Voilà, du coup j'ai dépensé qu'un point, finalement. Oui, bah après, là, c'est on s'en bat. On a un peu de largesse, du coup, j'ai pas fait gaffe. Hop, mais, pour inspiration, moins 15. Waouh. Oh les dégâts. Elle est solide, hein. Elle est solide sur les appuis, là, madame. Il y a des choses qui te parlent. Je peux potentiellement buter le cauchemar si jamais. Ça t'intéresse avec Zinlen? Oui, si tu veux. Évidemment. Bon bah c'était bien. Merci Zinlen.
C'est pas du non, tout non, le si mec. Tu peux claquer à un point, tu peux le tuer, c'est magnifique. Non, pas Zinlen. Ah bah Zinlen, il a deux. Il a deux points et c'est l'attaque d'opportunité quoi, donc c'est triste hein, de se dire que ce mec est monté critique, ne crit jamais. Ouais. Ouais ouais. Il serait peut-être temps de faire un mail au dev. Il serait peut-être temps de faire un mail au dev. Est-ce que je mets un barrage pour toutes les créatures qui peuvent arriver par là? Non, non, rien du tout. Ils sont coincés derrière les arbres et les cailloux. C'est du gaspillage. Ah! Ça, par contre, va falloir aller au secours du soldat Mavi. Je peux envoyer un Taurus pour te scotcher aussi et te présenter son bac. Je veux bien. Je me place à côté de Mavi. Hop. Je fais du scotching. Hein. C'est dommage que le 150% de dégâts de dégâts ne soit pas effectif tout le temps. Ouais. Sur la première attaque, je peux lui mettre un coup de heurtoir, mais je vais économiser parce que ça tape pas très fort le heurtoir. Le heurtoir en PV. Vrai tape chaque malus que tu lui infliges. Bonus et ouais, malus. Ouais, mais même sans ça, il rentre quand même 38-50 de dégâts. Hein. Donc c'est mais bon vu que tu vas y aller avec un couteau, je suis pas sûr. C'est toi qui me dis si tu veux que je te descende en toute 900 PV ou pas. Non, vas-y, c'est bon, t'inquiète. OK. Pas de jugé. Glorieux. Brillant et chromé. Dans l'adversité. Oh, je suis trop bête, putain. Pourquoi? Oh, je suis trop de con. C'était pas lui qu'il fallait que j'envoie. Il y avait deux ours côte à côte. J'aurais pu envoyer un gros marteau. Prochain jouet, c'est un sanglier qu'on ne voit pas. Après, c'est un loup et c'est le cauchemar à la fin. Mais le cauchemar, je le tuerai avec. Non, mais je pense que ça peut être commencer à être intéressant de tuer genre un ours sur deux au moins. Ouais. Après, ils ont joué, hein, c'est ça le truc. Ouais, mais ça dégage la piste, ça libère les boucliers si jamais il y a des trucs qui sortent de la brume. Parce que c'est pas le plus tanky, Taurus. Hein. Sophia! Va sauver ton mec. Voilà, et puis bah, et puis parce que même s'ils ont déjà joué, vu qu'on peut rien tuer d'autre pour l'instant, et que ça a beaucoup de points de vie, autant en profiter de s'acharner un petit peu sur eux pour les terminer, tu vois. À l'occasion. Le coup de couteau qui est parti au loin. Maintenant, sinon je vais pas y penser. Juste en lui balançant trois couteaux, hein, lui, je vais bientôt tomber. Ah, tu l'as, il a bien amoché. Donc t'as vu, hein, ça s'use vite du poing. Hein. Du poing et du temps, hein, un ours à la con. En cercle aide. Couteau. Bon, impeccable. Bah voilà. Après, attends. On peut faire ça, moi. Bonjour! Bah ouais, c'est ça. Alors attends, on va être intelligent d'abord. Hop! Comme ça, mon point est régénéré. Mon mouvement est régénéré. Mobilette! Coucou, comment vas-tu? Mon meilleur ami. Putain. Honnêtement. Faut dire aux développeurs de changer ce truc là, c'est trop fort. Tu devrais pas pouvoir réinitialiser aussi souvent ton move. Bah aussi facilement surtout. Ouais. Bah après, il y en a avec le fait de tomber une armure, tu régènes aussi. Mais on est d'accord que la condition est quand même un peu plus lourde, dirais-je. Ouais. Ouf, le coup de fatal. Le coup de bouclier, la riposte. Est-ce que tu veux jouer, gros? Bah non, apparemment t'as pas le droit. Voilà. Ça c'est fait, hein. Tirailleuse, tu vas aller te placer là-bas.
Jouer utile. Je vais jouer os de barde pour aller taper sur l'ours un petit peu, je pense. Ouais, attends, désolé, je crois que j'ai fait un critique. Ah, bien vu. Ah. Moins bien. Ouais, c'est ça, je suis désolé. Mais ça m'arrange pas de ouf. Ça a tapé sa vie, ça a tapé directement sur sa vie et ça a tapé. Ah, puis c'est parti loin hein, comme truc, hein. Ouais, et tu le verras pas là. Trouver. Ah bah si, le voilà. Trouver. Ok. Ouf. Vulnérabilité. Comment ça se fait ? Attends, prochain coup que tu vas infliger, c'est un critique. Ah merde. Ah, Taurus, serre les dents. Hop. Parfait. Excuse-moi mon bro, ça allait mal. Mon meilleur ami. Ouais. Et du coup je me réengage en plus. Et du coup voilà, je le masse un peu, hein. je le détends. Et au moins grâce à moi on le voit. On le voit. Voilà. Y'a ce qui a joué. J'ai un loup aussi. Regarde. J'ai trouvé un loup. Regarde. Tu vas pouvoir retaper avec os de barbe. Ah ouais. Ah bah ouais. Ah bah ouais. Merci le toutou. T'es un bon dogo dogo hein. Ben oui. Au revoir le dogo. Un mode toutou. Hein. Si. Bah vas-y, c'est terminé. Dernier coup. Fait. Bah voilà. Et maintenant, bah il faut qu'on sache où sont les trois derniers. Bon, ils doivent pas être très loin. Je vais rester dans le coin. Par là, ouais, je pense. Ah oui, j'ai pas laissé assez de place à quelqu'un pour se caler dans le coin. Normalement, là, c'est bon. Ouais, j'ai laissé un socle. Ok, on est bon. Bah, on va jouer. Je peux laisser couler un lieutenant. Un lieutenant. Ça fait deux points. On parle plus. Ah, ça fait plus qu'un point, ça y est, c'est fini. Ça dure pas longtemps. Ça dure pas longtemps. Attends, il a joué, on sait pas où il est. Ah, je déteste cette mécanique de jeu. Ah ouais, c'est génial, hein. Youpi, je fais courir un capitaine. Bon, je fais un pack, hein. Un pack, hein, mon gars. S'il y a un mec qui sort de là, je vais vraiment couler tous mes tours comme un gros tarde. Oh non, putain, c'est pas vrai. Bon bah écoute, hein, il faut faire couler tout le monde hein, maintenant. C'est ça. Hein. C'est. Après, il y a peut-être quelqu'un qu'on voit pas, hein, qui est de l'autre côté, mais j'ai pas l'impression. Voilà, on a c'était là. Finalement, c'était ici. On en a un sur les trois. Celui-là, il va durer même pas un tour. Ouais. Bah, termine, hein. C'est que du point temporaire qu'on a. Voilà. On n'a plus le cri de guerre effectif non plus. Bon, c'est pas bien grave, je t'avoue. Hein. La brutalité. Non, mais on a un peu de points. Je vais même rester sur place. Non, je vais laisser les autres bourrins prendre, puisque du coup, les autres bourrins n'ont pas encore joué. Ah, sauf que je suis en train d'enfermer le capitaine. On va peut-être arrêter ces conneries. Voilà. Bah, les lieutenants. Ah, oui, bon. Bon, j'estime que j'ai le droit de blonquer un sanglier. Blonquer ! Le nouveau mot, le blonquage ! Je vais bloquer et bonquer. Voilà. Je vais donc libérer la place également pour le suivant. Suivant ! C'est pour les teuteux. N'oublions pas qu'il a toutes ses chances, hein, le loup. Hein. Putain. Ou le sanglier, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est non plus. C'est un sanglier. J'ai envie de courir avec le capitaine là, j'ai envie de. De cavaler, de galander. Je vais me placer là. Parce que le problème c'est qu'on est full point, bon bah écoute je vais claquer os de barre. De toute façon le truc il joue en dernier donc ouais c'est ça. Est réglé. Si YouTube voit un grand gameplay hein. Grand instant de gaming hein, bien sûr. Comme dans toutes les vidéos. Tu oui vois, comme quoi, je comprends les mecs qui limitent la taille de leur bande parce que là vraiment c'est insupportable. Bah vas-y hein. On a un petit peu de temps avant de le buter. Hop. Voilà. Problème réglé. Trois pattes d'ours. Je comprends pourquoi c'est un cauchemar.
Ça c'est moi qui récupère, ça je reconnais ça. Ah, ah 3 pattes de nonoche, ça va ici. On en a 6 enfin. Des crocs. Ah, le cuir blanc, on aurait pu le vendre. En vrai, on aurait pu en putain, vendre. On a redoublé nos cuirs. Ouais, putain, on a fait plus 50% de cuir blanc, ouais. Le pont. Il faut qu'on aille au pont. Hop là. Hop hop hop. Toi qui dois parler, c'est toi qui l'as. J'ai le gré, moi. Non, il est dans le coffre. Attends, faut le récupérer. Oh, je crois que ça compte, non? C'est 20 grés? C'est 20 grés, mais les bâtards! C'était 10 il y a pas longtemps, on est d'accord. Mais alors, je sais plus. Mais c'est beaucoup, hein. Bon, bah, on va revoyager, hein. Alors, attends, on va débloquer des trucs, puisqu'on a quand même tapé des gens, on est devenu célèbre. On fait de la préservation, bien sûr. Finir 10 combats sans blessure. Évidemment. Voilà. Tracker fantomatique, encore. Attends, faut qu'on campe. Faut qu'on campe ici d'ailleurs. On va camper là. Ouais. C'est un très beau camping, un très beau spot de campage. Non, il y a rien à cuisinage. Si t'as quelqu'un qui veut. Qui veut se mettre sur l'hôtel de l'œil, en général, il donne toujours, il donne très régulièrement plus 20% de chance de coup critique. Will, j'espère qu'au prochain repos tu montes. Putain, il lui manque un point d'XP. C'est le démon. Hein. Mais le problème, c'est que moi, tous mes gars sont occupés sur des trucs. Hein. Et j'ai même envie de te dire, il va falloir que je sorte le mec de la tente. Hein. Ouais. Parce qu'on a récupéré moult carcasses. Et je rappelle que les carcasses, c'est 3 kills. Hein, donc il n'y a pas de discussion. Will, ça sort. C'est dénal, hein. Je sors mon bûcheron. Hein. Merde. Juste le bûcheron. Je veux rien d'autre que juste un bûcheron. Ou une Sophia, visiblement. Vas-y. C'est pas grave, Sophia. T'as mis Sophia? Ok. Ouais. Par contre, on a plus personne au feu de camp. C'est pas grave, du bonheur on peut en générer de plein de manières différentes. C'est pas forcément pour le bonheur, c'est pour l'influence que je voulais moi. Ah, ça nous donne de l'influence? Mais, bah, le bonheur excédentaire donne de l'influence. Ouais, mais ça peut nous générer du bonheur excédentaire. Ok, bah... Genre, bon. Avec des fruits confits, augmenter de 2 le bonheur de la troupe. Oh, oui, vas-y. Absinthe, vitesse de déplacement dans le monde augmentée de 3%. Voilà. Ok. Ma première cuite a été absinthe. Je vais peut-être pas nous claquer le augmente de 10% les chances d'obtenir des ressources après un combat. Je pense pas qu'on va recogner là. Non, on voudrait se barrer. Je vais nous glisser ça. Du poulet braisé. Ces soirées pullaient les petits copains. Voilà. Je dois en mettre un champignon ou deux. Ah, tu en nous mets une pomme? Oh, tiens, un petit peu de pomme. Une pomme et un champi. Eh ben, c'est très bien. Et c'est très joli. Un bout de bois. Et c'est magnifique, là. Le bout de bois de bois. Voilà. Nous n'avons que 54 jours de bouffe. Exactement. C'est un peu limité, c'est parce qu'on a fait beaucoup de voyages. Ça n'a même pas descendu. Et t'as fabriqué 4 eaux de vie. Ouais, c'est beau. Eh ben oui, parce qu'on a refabriqué de la viande séchée et tout. Le lieutenant Will a monté de nouveau. Bravo, oh, mon lieutenant. Putain. Et on propose d'augmenter gratuitement de 2 sa force. Ah, je pense que c'est overkill. Non, en vrai, non. Par contre, t'as pris 400 points d'XP, là. Je suis d'accord. T'as vraiment pris 400 points d'XP. J'espère. Ah ouais, mais t'es en retard. Hein. Il faut que tu restes dessus. Hein. Ah oui, oui, je te dis, il avait 400 ou 600 XP de retard avec les autres. Ouais. Quoique. Je peux passer à travers toutes les unités ou 35% de chance d'esquiver les attaques à distance et les attaques de zone. Passer à travers les unités, c'est trop bien. Ouais, mais vu que je suis un soutien. Mais oui, je vais prendre ça parce qu'il a quand même un bon move. Il y a quand même moyen de jouer ces gars-là. Par contre, c'est normal que Stevie n'ait pas de renfort. Que Stevie n'ait pas de renfort. Comment ça? Bah, je te laisse faire un clic droit sur lui et puis. Stevie a plus de chances de coup critique que Zinel. Au passage. Non, j'ai rien dit. C'est pas possible. Il manque, oui, un renfort du serpent colossal parce que c'est la période où on est passé du. Ah oui. Du renfort classique au renfort colossal. Donc l'idée, c'est de lui faire un renfort colossal. Ouais, bah là, avec les pattes d'ours, ça devrait se faire. Ça devrait être pas mal. Bah écoute, je propose qu'on se casse. Ouais. T'as 20 degrés au secours quoi. 20 degrés, ça commence. Tiens, viens, on va passer par la forge. Ouais, là y'a des ports. Oh.
On peut les distraire. Très bien, très bien, ça nous fait des ressources. Ça fait des trucs à vendre. On a que 87$, on est très content. On est très content d'aller massacrer des porcs. Je me bats pour la nature. Et sa déconfiture. Tac. 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 Il faut mettre mon mur au milieu de ça. Hop. Oh bon, j'ai viré ta dame. J'ai mis ta dame. Tu peux remettre la dame juste devant si tu veux. Non, comme ça on est bien. Oh, comme ça on est bien, comme on est joli. Pas mal, hein. On est beau. On est beau, mon cochon, on est comment? Du coup, paf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 points. On en a que 4 à générer. Hein. Voilà. Bah, celui qui va jouer, si tu peux. Il faut que je cours pour ça. Ah, je peux pas l'atteindre. Je ne peux pas l'atteindre. Malgré toute ma bonne foi, mes petits amis, je ne peux pas l'atteindre. Je peux me faire peut-être une... Alors, ça m'étonnerait, mais... Et je vais tenter la brochette de 3 cochons. Si, ils ont joli un... Ils ont un gros socle. Tu vas lui mettre vraiment 3 coups de bouclier parce que t'en as touché 3. Oh là. Les flammes de Dune, tout ça. Alors si tu veux rentabiliser encore plus, va marcher un coup d'abord dans les flammes et ensuite va en tabasser. Du coup tu peux aller tabasser. Ce que je voulais faire, en fait je voulais même aller tabasser celui-là mais il est un poil trop loin. Ah ça va. Bah coup, écoute, achève celui-là. Hein. Un coup de tatane, un coup de tatane. Attends. Ah oui t'as apporté. Et je vais pas m'engager. Je vais pas m'engager parce que je vais laisser le porc m'engager. Ah non, si, je vais m'engager. Allez. Déjà, parce que ça régénère un point. Ouais. Et ça me donnera la riposte contre celui-là. Parce que celui-là, avec son socle, je suis pas sûr qu'il m'atteigne. Surprise. Si, nous verrons charge. Bien. Ah oui, charge. Impeccable. Bon, bah, il est dans les flammes de Dune. Et quand il va finir son tour, il va me donner de la rage. Non, ça marche qu'une seule fois par tour. Oh, dommage. Mais c'était plus mon tour. Je peux tricher, monsieur l'agent? Je peux buter l'allée dominante qui va jouer. Tout à fait. Toujours ça de fait. Bien sûr. Et je vais pas dépenser plus de points, on va les garder. Sauf si tu voulais donner un ordre avec Sophia. À une seule personne, c'était pas intéressant. Pas une seule personne? Ah, une seule personne? Bah là, il y avait qu'une seule personne. Ouais, mais au lieu de te recacher dans ton coin, tu veux peut-être remonter sur le pack central. Bah ouais. Mais c'est pas grave. Parce que tu pouvais toujours là, même là en tapant un dash, potentiellement, tu peux avoir Lieutenant Will, Oz de Bard et Mélanine ou je ne sais quoi d'autre, quoi. Enfin, des gens qui peuvent s'engager, quoi. On est d'accord, le truc était ultra... Non, ok, c'est pas le même. C'est marrant, les couteaux, comme ça, hein. Oh, c'est rigolo, hein. Est-ce que tu veux bénéficier d'un mouvement pour pouvoir donner un ordre plus efficace? Non. Franchement, non. Ok. Franchement, non. Parce que je peux déjà attendre tout le monde. Bon, sauf le capitaine, mais le capitaine il est loin. Bon, à un moment donné. Bon, j'ai tout le monde, d'accord. C'est d'accord. J'ai tout le monde. Et puis je peux aller engrainer ce porc en plus. Bon, il va mourir. Hein. Enfin, c'est des choses c'est qui étonnant. Arrivent. Voilà. Attends, je vais jouer la surprise. Oh là là! Exactement. Et du coup, j'ai envie de te dire, là, oui, un double move pour aller paquer les autres ports. Pourquoi pas, ouais. Ouais. Pour les archers et tout, yes. Comme ça, en plus, ils peuvent aller faire du hit and run s'ils veulent. Le problème, c'est qu'elle fait rien d'autre, la choupette, là. Et, dure vie de support. Là, dure live de support. C'est moi ou il y a un os de Bard qui a vu un pack de 4 là. Je peux pas y aller, ils sont encore trop loin.
Donc c'est pas très gênant, je vais jouer un lieutenant Will qui a reçu la capacité de transmettre, de donner plus de points. Et donner un plus de points au tueur. Je sais pas, parce que ça fait taper notre réserve de points et du coup j'ai pas forcément envie. Ok. Donc je vais venir là et je vais simplement couler mon tour et ça fait 2 points. C'est de retaper notre réserve parce qu'au cas où on se taperait des gardes, j'aimerais bien qu'on ait la réserve élevée. Hmm. Okay, est-ce que là, je m'avance? Ah, là on a The Bard, vas-y. The Bard, oh, là ça se joue. Hein. Vas-y. Je peux même encore attendre que le prochain port joue. Mais, les deux prochains ports. Ouais, je vais attendre le prochain port, je vais jouer un autre lancier. Moi c'est ce que je. Ah, ok, d'accord. J'allais claquer une zone pour entamer. Je pense pas que ce soit nécessaire. Toi qui vois. Puisque je vais jouer l'autre. Je vais jouer le gros. Je suis pas sûr. Mais une fois que j'aurai joué le gros. Il y a fort moyen. Bon, le problème, c'est qu'ils ont déjà tous joué, c'est con. C'est ça. Ou alors une zone, mais au top, quoi. Au top, à droite. Top line, ou à droite. À droite, là. Sur une autre line, quoi. Sur une autre line que là où t'as tapé le gros, quoi. Mm-hmm. Permettez-moi de vous y mettre un gros. En plus, lui, il a pas encore joué, là. C'est impeccable, ça. Ça c'est mon destin, ça. Je viens ici, là, je me colle à lui. Ah, elle, c'est une laie. Ah oui, elle est moche. Vous êtes moche, madame. Boum. Je l'engage. Je suis engagé. Ah, bah non. Merde. Lui l'explosive. Ah oui, merde. C'est rigolo, lui, l'explosive. Bah, ça augmente tes dégâts à chaque fois, quoi. Je sais plus combien de dégâts que pizza ça fait. Ça, non, l'huile vaporeuse. C'est 5% de sa santé max. Donc, Il a pas encore joué, et lui, il a joué. Il y en a un qui a pas encore joué qui va aller taper sur Os de Bard. Voilà, si jamais là tu veux mettre une zone, ouais. Mais il faudra pas que tu joues après. Après, ça veut dire qu'ils vont tous venir sur Os de Bard. Faut pas que tu joues avant qu'ils aient tous bougé, quoi. Bah, moi j'allais mettre la zone à droite. En ouais, fait. Ouais, il y a 2 ports qu'on peut encore bouger, je suis très d'accord. Genre, je vais me mettre là. Ici. C'est nul. C'est zéro. Attends, lequel joue avant qui? Ouais, parce qu'en fait, c'est celui qui est coincé au fond, qui joue en premier. Donc, ouais, il avance pas. Et l'autre, il va le gêner, donc il va pas avancer. Donc, aucun intérêt. Enfin, c'est pas ouf tout de suite, c'est ça le problème. En haut, il y en a qui joue là? Non. Non, putain, il n'y a plus rien qui joue. Celui-là. Celui-là. Bah, déjà, avec. Ouais, si, en vrai, vu qu'il y en a 3 qui vont jouer, il y a moyen que t'en tapes. Ouais, de toute façon, tu les taperas à un moment donné ou un autre. En vrai. Si, si, vas-y. Hein. Bon, c'est pas déconnant. Parce qu'à un moment donné ou un autre, ils vont bouger ces couillons. Ouais, t'aurais pu faire une petite course pour t'approcher quand même. Ah non, bah non, parce qu'ils peuvent charger. Ouais, ils peuvent charger. Ouais, non, t'as raison. Voilà. Elle est terminée le port là. Hein. Quoique, attends, elle les met les 137 points de dégâts? Jamais. Non, mais va tirer sur un sanglier qui a pas encore joué. C'est lequel qui a pas joué encore de. Ah, c'est celui-là qui a pas encore joué. Celui-là, là. Attends. Oui, t'as raison, celui-là. Tac, 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 tac. Tac. Et ben. Ah, il... ouais. Et des nals, on est des nals, hein. Ok. Non. Mais je l'ai vu. Ouais, mais tu manges la réserve de points. Ah merde, désolé. C'était un. Arrêtez juste devant là, la zone de touche. Je peux aller taper ce port avec ma vigue. Vas-y. Donc je vais aller taper ce port avec ma vie. Basiquement. Basiquement.
ne le tue pas. Je propose d'abord lui mettre un choc affaiblissant. Ouais. Puis un coup de masse. Alors dans ce cas-là, je te propose autre chose. Ouais bah non, vas-y, ça fait forcément... Comme ça, je suis sûr de pas le tuer. Même en lui foutant un crit. De régénérer mon point. Du coup, c'est gratuit et je suis certain que tu le portes. Ok. Voilà. C'était ma petite combo économie du jour. Vous pouvez retrouver Mavic sur son Insta. Cura ses coups de marteau. Non, cura ses cordes de marteau. Exactement. Eh bien, j'ai envie de te dire, Yukio, à toi de jouer. Je crois que moi, j'ai plus rien à jouer. Donc, Bah, écoute, moi, je vais venir faire ça. Je vais donner un coup de torche pour régénérer mon équipement. M'engager. D'accord, il a la riposte. Pas de soucis, j'accepte. Ça, j'ai pas pris dans la réserve. Et si je veux, je peux aller commencer à me mettre ici pour assassiner et tuer le groupe du tabac. Bah, de toute façon, oui, il va falloir avancer. Hein. Toi, tu vas avancer. Merci. Tu commences à taper, ça fait plaisir. Et toi, tu vas aller là. D'abord une poutre. Même si le lieutenant Will se pose toujours la question de pourquoi tu ne te places pas derrière Zinlen. Voilà. Et puis on va commencer à venir. Avec un... Il reste plus que le top. Et les 4, les 6 autres. Le 2 de ton côté et. Oula, 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 oula. Os de barbe, tu te calmes. Ouais, y'a quand même un joli paquet de cochons là. Quand alors même... attends. Lequel joue? Ah putain. Celui qui est juste à côté, je vais mettre ma vic dessus, je vais refaire le même trick. Et on en parle plus, c'est gratos. Et pour que Os de barbe puisse venir. J'essaierai de venir le plus loin possible avec Sylvanea et pour lui donner le mouvement parce que là il n'a plus le mouvement doublé. Ok. Il peut pas les attendre. Ah oui, il peut pas les attendre. Ouais, faut chaud. Que j'aille ici. Ok, je vais venir jusqu'ici avec Sylvania. Boing. Normalement, t'as l'inspiration nécessaire pour aller les tonquer. C'était vraiment le bout de ton move, quoi. Ouais. Elle a pas beaucoup de mouvement, elle, hein, et elle ne se le met pas. Ah, il alors là, plus monsieur... la zone. Attends, c'est quoi cette merde? Alors là, monsieur. Donne-moi la zone. Ah, il me clique droit, plus... hein. Clic droit sur le truc. Hein. Oui, oui. J'ai une conscience. Il ne veut plus me le mettre. Il me le met plus. Ah, si il me marque, ok. Le nombre. Si je me mets là, j'en touche 3. Ok, impeccable. Ah, bah, ça va. En fait, on voit plus le cercle, mais il te met les marqueurs. En fait. Je me demande si c'est pas la neige qui fait bugger. Peut-être. Ouais, ouais, let's go. Ouh, 85. Ça... 64. Et... Pourquoi il y a eu 85 aussi? Ah, t'avais le. Okay. Galvanisé, étonnant. Étonnant, étonnant. Je vais m'engager au corps à corps. On a dit engagez-vous qui disait. Je vous jure, j'essaie de m'engager au corps à corps. Ouais, c'est ça. Putain, je vous jure, j'essaie de. C'est un tap-top ce type en fait! C'est pas un demain, c'est tap-top! Mais non, mais c'est pas vrai, vous mentez. Attendez. Oh merde! Oh, je peux pas m'engager, c'est trop loin! C'est si loin pour s'engager! Le mec, faut l'appeler tap-top, c'est tout. Bon bah, y'a un porc à tuer. Avec un seul point de disponible. Voilà. C'est bon! C'est une flash. J'ai des très bons chasseurs. Cool. Ça c'est pour moi. Ça aussi je vais gérer, t'inquiète. Et il y a Mélanine qui a une rayure. Ok, impeccable. Hop. On est trop lourd. Trop lourd. Alors ça j'ai jamais vu ça de ma vie. Si on a des gardes sur la gueule, on est dans la nuit.
Oh, il y a un arbre, il y a un bout de bois. Production de résine pendant le repos, si j'assigne un bûcheron. C'est qui notre bûcheron déjà? Je crois que c'est Stevie en... Ok, cool. C'est trop marrant ces petits événements de campement qui te donnent des ressources, je trouve ça très cool. T'es sûr que les carcasses fantômes pour le la viande séchée c'est le mieux? Pourquoi? Parce que t'as mis sur le séchoir à viande de la carcasse fantôme. Ouais. Bah parce qu'il faut la passer. Tu veux que j'en fasse quoi d'autre? Ah du cuir fantôme. Ouais. Ouais, on peut aussi. Mais j'avais que ça. J'avais que ça vu qu'on était très lourd. Je me suis dit Joseph, tu vois, je les coule quoi. Je les passe. Parce qu'on commençait à être un peu chargé. Cuisinier, est-ce que tu peux nous alléger? C'est toujours une vraie question. Est-ce que le cuisinier peut nous alléger? Normalement oui, avec la dose de trucs qu'on a récupéré, oui. Ouais, je sais pas. Parce que la dernière fois on s'est fait avoir, on était plus lourd. Après cuisine qu'avant cuisine. Genre le pain c'est une arnaque, le pain t'es plus lourd après qu'avant. on peut faire des sardines aux champignons. Qu'on a jamais fait j'imagine. Qu'on a jamais fait, et on va donc en faire 4. Deux sardines délicieuses. Et ben voilà, dégâts contre les animaux augmentés de 15%. Et j'ai récupéré une sardine. Voilà, donc je... Voilà. Attendez, il se passe des choses. Ouh, il se passe des choses. Oh, il se passe des dingues. Genre, je peux faire des tisanes à la myrtille. Mais à première vue, j'en ai déjà fabriqué. C'est New Age, ça, si tu fous de ma tête, le jeu. Ok, c'est comme la fusion, quoi. C'est comme la fusion de chambre. C'est la même chose. Du porridge. Mouvement augmenté de 1. Du fruit confit, 2 de bonheur. Des matefins aux pommes, bien sûr. Mais tout ça grâce au miel. Et plein de ragoût de porc. Faisons plein de ragoût de porc. La base de notre alimentation, c'est le ragoût de cochon. Hein. Je te le dis tout net. Hein. On est bon. On est bon. Donc je peux refaire un ragoût de cochon pour redescendre encore. Parce que j'ai fait popper du cochon. Je fais comme toi, je récupère des morceaux de cochon. Ouais, non, encore ça va, tu te dis, c'est bon, j'ai réussi à... Mais une fiole? Comment tu fais pour récupérer une fiole? C'est ça, c'est pas mal. Le coup de la fiole, c'est pas mal. Confit ou porridge? Confit ou porridge? Toi qui vois. Confit, c'est du bonheur. Porridge, c'est du move. Confit alors, c'est plus drôle. Ok. Mais pour te dire, moi ce que je trouve très très drôle, c'est, tu te souviens dans les vieux jeux vidéo type Diablo 2, ce genre de choses, Diablo 1 d'ailleurs, où tu récupères quand tu buvais une potion, tu ne récupérais pas la fiole. Oui. Tu mangeais la fiole. Il fallait manger la fiole, c'était bon. vraie question, des confits certes, mais j'en fais peut-être pas 8 parce que je peux en faire 8, mais t'auras plus de cerises pour faire augmenter ton personnage de... Ah. Du coup est-ce que j'en fais pas que 4? Bah n'en refais pas. J'en fais pas du tout, du coup je fais des porridge. Oui. Des porridge, allez. On se fait des porridge. T'arrives quand même à faire qualité beaucoup... supérieure, une étoile, du coup on aura des moves augmentés de 2. Hein. Oh bordel de merde. Donc 2-4 sous produit évidemment. Si on prend de la dope. Et vu. Ah! Du coup, vu que j'ai des porridge. Mm-hmm. Ah, parce que moi j'oublie de réfléchir en fait, je suis con. Je suis très très con. Ah oui, oui. Mais du coup, je peux faire le réconfort du paysan. Oh! Voilà, on va se faire des réconforts du péon, hein, puisqu'on est là, puisqu'on a récupéré du vin des dorades, et qu'on en a pas mal. On avait ça, non? Ben oui, dans un coffre à Arthès. Ah, on avait ça. Comme d'Arthès, on avait rangé toute la picole excédentaire, parce que ça servait à rien, à l'époque. Enfin, ça servait pas à grand-chose. Mmh. Voilà, j'ai récupéré un autre ragoût de porc. Putain, alors là, par contre, c'est trop bien, parce que j'ai carrément récupéré un ragoût de porc entier, et 2 bouteilles de vin. Mmh. C'est quand même cool. Pas dégueulasse. Et ça c'est cool. Cool. Voilà, on peut se faire des petites infusions ici là, hein. On descend le stock un peu. Je propose de. Ah non, la journée a pour toi bien commencé ou pas trop commencé? Comment ça?
Bah tu sais, on se met une innocence feinte, comme ça on est pas emmerdé par les connards qui nous emmerdent. Oh, on va voyager là de toute façon, non? Parce qu'on n'a pas ouais, le... On va voyager. Ou il faut qu'on achète du grès, donc ça dépend. Il y a une histoire faut trouver du grès. Faut trouver de l'argent aussi. Oui, c'est vrai. Oh, des... Alors, regarde, un cauchemar. Des légions de cauchemars encore. Oh non! Si, tu sais qu'il nous en faut. Hein. Il nous faut des renforts du serpent colossal, tout ça. Il y a 3 ours fantômes, il y a 3 papates à prendre. Le truc, c'est qu'on fait que des trucs de force. Moi, je veux de la vie, je veux de la deck, je veux des trucs. Oui, mais on l'a pas, je crois. Non, on l'a pas, celui-là. On l'a pas. Et puis, tu nous emmerdes avec ta deck, t'as qu'à faire des crits, hein. T'es déjà à 125%. C'est tellement critique et haut dégâts augmenté de 20%. Si Zenlen, je suis sûr, il va pas nous en faire un seul. Par contre, ils ont vraiment le jeu, il a été hyper RP. Il a mis tout le groupe ensemble et il a mis Ozdebard tout seul au fond. On a fait... Oh. On a réellement le buff embuscade. Oui. Waouh. Là, ça va faire du bien. Donc, je sais pas comment on a fait notre embuscade, mais on l'a faite. Hein. On a embusqué... Ouais. Parce qu'on sortait des murs. Ouais, ok. Du coup, on a un Ozdebard par là. Alors, je suis... Wow. Knarf. Oui. Regarde, fais clic droit sur Zinlen, s'il te plaît. Regarde les chances de coup critique qu'il a. Critique 104%. Jamais t'en passes un. Jamais. Jamais, le jeu, il te le lâche. Je te le garantis. Ouais. Taurus, on va essayer de le recentrer aussi. Hop. Est-ce que tu veux donner des points ou je mets réellement la zone dès le début? Parce que là, on a... Bah, en vrai, franchement, ils sont vraiment pas loin. Donc, courir, je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Ouais. Donc, je pense que... On attaque un point et on met la zone de Zinlen déjà sur le pack central, là. Les deux loups qui jouent, ils sont dans le fond, les deux. Fond. Ouais, les deux sont dans le fond. Donc, ce que je proposerais, moi, ça serait d'abord de jouer le capitaine, comme ça, t'as les points pour payer ta zone. Ok. Puis moi, je vais taper des trucs. Ok. Vas-y. Du coup, les gens voient que je tape des trucs. Du coup, les gens ont envie de taper des trucs. Et du coup, je suis content. Les gens sont contents. Voilà. Attends, juste avant ça, je vais juste faire une petite modification. Voilà. Que j'aime bien pas voir les lanciers en première ligne. Ah merde. Je peux pas voir tout le monde. Et si je me mets plutôt comme ça. Ouais, ça c'est bon ça. Je vais faire ça. Ok. Hop. J'aime pas forcément que les lanciers soient en première ligne. Enfin, après, c'est... Ouais, tout à fait. Bah, on les joue extrêmement support et d'ailleurs, on se prive du potentiel des arches, des lanciers. Hein. Ils sont quand même très forts. Qui ont quand même un fort taux de DPS. Hein. C'est moi support, ou tu viens juste de... Oui, de clean 2. Ouais, non, c'est toi. C'est pas moi. Bah, va le taper lui, hein. Ils prennent 10%, ils ont 10% de dégâts subis supplémentaires en plus, c'est con. Sur qui? Bah, le cochon là qui est devant, hein. Cochon là, je vais tourner le dos à l'ours, ça me va très bien. Hop là. Comme ça. Et j'engage. Voilà, j'ai engagé l'ours. T'as bouffé tous les points que t'as générés. Non, t'as bouffé. Pas du tout. Et en plus, glorieux, j'ai me rajouter encore un point. J'ai consommé littéralement un point. Ozdebard, tu veux du mouvement. Voilà, du coup, là, tu peux pas placer une zone de Zinlen, si tu veux. Ouais. Alors, toi qui vois si tu l'as mid ou... Attends, déjà je dégage un truc. Hop. Ouais, ça c'est cool. Est-ce que tu te mettrais pas... Ouais. Je la mettrais là, hein, moi. Ouais, j'entends. Alors oui, non. Tu vas mettre où, toi? Parce qu'en fait, vu que tu as ce loup qui a déjà joué qui fait obstacle, mais que les loups du top n'ont pas encore joué, est-ce qu'il n'y a pas un monde, alors je sais pas, hein, mais est-ce qu'il n'y a pas un monde où ta zone, tu peux écouvrir les deux côtés? À peu près, à la louche. Voilà, sauf que moi j'aurais pas bougé à ta place. Mais voilà. Comme ça, hein. Bah écoute, ouais, va falloir. Hein. Let's go. Parce que là, je l'ai.
gambade, hein, un petit loup. Hein. Est-ce que tu veux que Taurus nous mette, tant que Taurus est encore bien paqué, on peut avoir un Taurus qui... C'est vrai. Sans bouger. Voilà. Par contre, faut que j'aille faire quelque chose de ce Taurus maintenant. Tu l'as ce loup dans ton... Je l'ai. Tu l'as, ok. Bah écoute, je vais dégager un capitaine. Je vais dégager... Ah non, bah non, sinon le sanglier... Hey, sinon le sanglier va prendre son kiff. Non, moi je crame vraiment, je suis pas un capitaine, je crame vraiment. Ça me fait chier, parce que quoi que je fasse, ça nique un peu ta zone, mais il y a encore du monde qui va jouer. Celui-là, lequel? Celui d'en bas, là. Bah non, parce que j'ai peur que le loup et le sanglier, du coup, décident de passer par là au lieu de passer par le mid. Ah ouais, ok. Du coup, je peux pas toucher ce loup. Je peux pas casser le cul à qui je veux. Donc je vais dégommer celui-là, puisque t'auras largement, normalement, assez de monde à gicler après lui. Ouais. Ah bon, d'accord. Bon bah, c'était un coup de hache, c'était bien, hein. C'était... Regarde, et en plus, je me vends. Regarde, je me venge. Oh, je me donne. Je leur montre mes petites fesses comme ça. Ok, le prochain loup, il est mort. Est-ce que tu veux que je mette le double de mouvement pour tout le monde? Vraiment, je pense pas. Hein. Là, la carte est tellement petite. C'est vrai. Est-ce que tu veux que je joue un archer pour dégager la route pour Osdebard ou un truc du genre? Je trouve pas non plus que ce soit nécessaire. Vraiment. Attends, tu sais quoi? Non, mais je vais jouer des lieutenants en fait pour nous donner des points. Hein. Voilà. Hop, je vais mettre là. C'est vraiment dommage qu'on utilise les lieutenants que pour ça. Oui. Et comme s'il est dommage qu'il y ait des nals et loups solitaires. Mais y a pas d'autre choix en fait. Mais s'il y a d'autres choix. Je te jure que non. Mais si t'es méprisant. Et t'es méprisable d'ailleurs comme individu. Voilà. Ah, lieutenant Will aurait pu. Y'en a aucun qui veut passer par le mid. Je t'ai monté un plan pour le mid. Y'a personne qui veut y aller. Pourquoi, lieutenant Will, tu t'es contenté de juste passer ton tour? T'aurais pu donner un truc à Zinlan, ça mettait 2 points à chaque fois. Parce qu'il y a personne qui veut y aller. Ok. T'aurais déjà dû shooter la moitié de la squad. T'as shooté personne. Y'a personne qui veut y aller. Oh bah. Les gens sont pas fous. Les cochons savent. Les cochons le savent. Bon bah, du coup, tant pis, hein, c'est moi qui fera une ligne. Hein. Ah, les dégâts critiques, hein. Ça tape. Voilà. Hein. Ouais, c'est pas mal, hein. On va envoyer pour dégager le capitaine parce que là il va prendre cher avec il va tenir, ça tape pas très fort un ours. Oui. Ce qui est d'ailleurs très ridicule, c'est à dire qu'ils ont tellement de points de vie que du coup ils ont plus de force quoi. C'est un peu ultra ridicule. Moi je peux jouer des tas de gens mais. Bon écoute, je peux jouer une Sophia. Hein. Attends, je vais peut-être laisser taper l'ours en premier. Est-ce que avec Sophia tu pourras revenir? Non. Ah bah oui, je peux revenir. Ok. J'ai le mouvement qui revient. Vas-y. Sinon j'allais juste m'engager contre le loup avec mes... Hein, tu lui as tapé un quart de sa life au cam avec un coup de couteau à la lune. Je le tue pas et je le tue pas. Si je. C'est pas grave. Hein. Tu veux que je finisse de l'entamer? Ah, quoique avec la riposte, oui, ça peut. Tu vas peut-être le tuer. Ouf, on verra bien, je sais, comme tu veux, c'est pas grave, hein, le question on peut tanker. Hein. Je mets pas en berserker, et voilà. Et puis je reviens par le bar. Inspiration, ouais, 12. 46.
Tu as rien demandé, t'es à côté. Fait... Tu crois que je t'ai pas vu venir me niaquer une cheville là au calme? Tu crois que je t'ai pas vu? Si tu veux, je peux te tuer avec un. Un arc? Un arc, ouais. Comme ça, t'as pas de déplacer. Vas-y, vas-y, vas-y. Mets-nous une flèche. Ah, ok. T'as dit nous. Oh, ouais, la attends. Ligne de 3 là. La petite ligne de 3 là, tu vois. Ouais. N'empêche, avec tout l'acier acadien qu'on a, on va pouvoir améliorer du stuff. Hein. Donc, est-ce que tu veux que je tente de tuer le loup là? Ça dépend, ça coûte des points. Ça coûte un point, et si je le tue, ça en rembourse un. Oui, mais si. Bah, en fait, je mets entre 95 et 142. Ah oui, donc statistiquement, t'as plus de chances de le tuer qu'autre chose, quoi. C'est ça, ouais. Vas-y. Bon, ok, d'accord. Évidemment, s'il fait des... Ouais. Tu fais des dingues, ça aide. Ça fait des... Après, ouais. C'est les deux ours qui jouent. Hein. T'as quoi, toi, encore à jouer, là? Tank, mélanine et Edenal. Tu mettrais pas une flèche avec Edenal sur l'ours? Si, je peux. Je peux même le ralentir. Ça coûte trop cher, hein. C'est hors de prix. Ok. Ça avance déjà pas, un ours. Si, ça avance, un ours. Ah oui, c'est vrai que ça cavale. Et je vais venir me mettre ici pour tanker. Ok. Ouais. Il va choisir comment il va mourir. La flèche à 316, moi j'aime beaucoup. Wouah, dégâts de brûlure plus saignement. T'aurais pas dû faire ça. Quoi? Parce que tu peux faire beaucoup de dégâts, il y a encore un autre ours qui va jouer. Ah, mais vas-y. Ouais. J'étais con. Non, c'est dommage quoi, c'est juste ça quoi. Non mais en fait moi il me restait ma vie pour le caquer et le tuer. Ouais. Potentiellement c'était suffisant. Je mets juste le... Je viens encore me faire avoir. Bon. Là, ce sera bon. Je vais avoir. Hop, tu me réinitialises mon mouvement. Merci. Et je me casse. Bonjour, je fais que passer. Merci. Bah du coup, ma vie que ça n'a pas d'intérêt qu'elle bouge, donc. Juste l'avancer là au poison. Voilà. Le fait de lui mettre saignement plus brûlure, je pense qu'il va prendre cher. Ça fait mal. 331. Ah, c'est marrant, la neige a changé de texture avec l'apparition du cauchemar. C'est très rigolo. Ah, House de Barre n'a pas le mouvement qu'il faut. Pour aller. Ah oui, oh putain, oui. Est-ce que tu veux que j'aille te le donner? Parce qu'il pourra pas bouger le loup. Je me mets au milieu et je donne le mouvement à tout le monde. Comme attends, ça, tu avec une course, ça se boucle, hein? Difficilement, hein. Ah non, ça se fait, hein. Bah, ok, vas-y, tente. Regarde, j'arrive là. Ah ouh, mm-hmm. Ça se fait complètement, hein. Ah ouais, ça se fait complètement. Ah oui, d'accord, oui. Alors je suis au bout extrême de mon move, hein. Ça, c'est sûr. Bien. Mais officiellement, les 4 coups de marteau vont passer. Hein, tous les loups vont crever. Hein. Tous les loups, peut-être le sanglier aussi. Putain, je sais pas, je pourrais pas. Disons que je pourrais pas terminer le cochon. Bon ben voilà, le... Quel cochon? Le problème est réglé. Quoi? Un quoi? Un pro... Il y a plus d'ennemis.
Bah écoute. Eh bah on va envoyer Mélanie terminer l'ours et puis basta. Non, mais je peux le tuer, arrêtez vos conneries. Je peux mettre 3 coups de hache d'affilée hein, si vous voulez. C'est vrai, alors vas-y, voilà, tu le... Voilà, je te fais ça, voilà. Ton truc, il est mort, je voulais juste pas que tu prennes les dégâts Ah mais j'en ai même 8, 1, il est mort. J'ai pas compris. Moi non plus. Mais il est mort. Je voulais juste pas que tu prennes les dégâts de brûlure, mais sinon c'est tout. Ouais, bah c'est pas grave. Je meurs. Ok. Je meurs, écoute, mais quelqu'un pourra me soigner à l'occasion si vous le souhaitez. Tiens, si tu veux envoyer un petit Stevie ou un truc. Ah bah non, ça va aller le faire reculer. Oh, ça va reculer. Je peux l'embrouiller avec un capitaine. Capitaine, ça, ça embrouille, hein. Ça embrouille. Ça embrouille. Va l'embrouiller, va le taper, va le tuer. Hein. Tu vas le tuer tout seul. Bon, je sais pas si. Pas sûr. C'est moi. C'est limite. Ouais, c'est juste l'épée. C'est un peu juste. Mmh. Et ajuste-le un peu. Voilà. J'ai coupé le jarret. Voilà. Et ben, un truc, encore de la viande à accrocher, putain. Un truc dont on avait peur au tout début, maintenant ça devient tellement... Eh, rends-moi ma bouffe, je t'ai vu. Je t'ai vu, rends-moi la bouffe là, salaud. Ouais, je te la rendrai après. Ah, maintenant, salaud. On est trop lourd en la bouffe. Étonnant. La bouffe est dans le coffre. C'est bon, je l'ai récupéré. Hein ? Ouais, par contre, tu fais des trucs avec les crocs. Hop, je vais les mettre à la fin. Ok, puis ça, ok. C'est le problème, c'est que du coup, vu que le coffre est pas hyper bien rangé, dès que tu me jettes des trucs, tu me dis c'est dans le coffre, en fait, faut que je regarde sur toutes les lignes, parce qu'il y en a partout. Je viens de le trier le coffre. Ah, ok. Tiens, on va trier par poids. Ouais, parce que. Ok, faudra se débarrasser un peu de cuir. C'était trié autrement à l'époque. Miss Pargrave. Donc, on peut faire du cuir moustache avec de la carcasse fantôme. Mmh. Ouais, bah on commence à être très lourd à cause, entre autres, des carcasses, hein, des bestioles, parce que ouais. Ça, bah, on en a 50 x 3, 150 kilos. Ah, 150 kilos de carcasse. Si peu, si peu. On s'entraîne du merdier. Hein. Mmh. Mon chef cuisinier, est-ce qu'il a toujours sa louche d'équipée? Il a toujours sa louche d'équipée, ça c'est formidable, bravo chef. Eh ben on dirait pas merci à YouTube et au revoir ton tube. Des bisous à ton tube. Ah, ça fait bien une heure qu'on tourne, voire deux. Ah, ça fait, ouais, ça fait bien plus d'une heure, t'inquiète. Hein. T'inquiète, ça fait bien plus d'une heure. Trois combats, plus d'une heure. Allez! Oh bah, vu qu'on est sur une heure le combat dans ce jeu. Bah, ça, c'est parce qu'on a des grandes troupes. Bah, oui, c'est ça. Il va peut-être falloir étêter la squad. Les poneys ont monté de niveau. Alors, attends, c'est important ça. Ça, c'est important. Plan de carrière. Hop. Que de la constite sur les poneys et rien d'autre, premièrement. Ouais, ça veut dire qu'on a potentiellement... Par contre, tu vois, c'est dommage qu'on puisse pas faire deux poteaux d'attelage. Tu vois, avec la masse de... Ah, il y a trois poneys qui ont monté de niveau. Oh. Oh. C'est impressionnant. Ah, là, là. Ah, transport augmenté de 5%. Il y en a un qui a de passer niveau 8, ça fait plaisir. Oh, super. Ça faisait plaisir. Oui, oui, en fait, ce qui est fou, c'est que ton poteau d'attelage te limite à 4 bêtes, quoi, et tu peux pas en faire plusieurs. Donc, nous qui avons 6 chevaux, bah finalement, on a 2 chevaux de trop. Et la bonne nouvelle pour YouTube, c'est que nous avons 59 jours de rationnement. Encore une journée, et voire 2, et on pourra dire qu'on a 2 mois de ration. L'objectif, bien sûr, est de pouvoir cumuler une année, hein, 385 jours de réserve. Shinai est déjà pendu chez lui. Il va dire, voilà, combien 300 Combien 300 non, 240... De quoi De bouffe, tu veux combien de bouffe, là, pour une an, un an? C'est 385 jours. Ah ouais, 365. 365, excuse-moi. Tu veux rajouter 20 jours de taf dans une année? Je suis pas sûr qu'il y en a qui soient contents. Oh, je sais pas, moi je travaille tout le temps, j'en sais rien. Je sais pas.
Et voilà, bah sur ce, on a presque envie de vous faire des bisous. Hein. Des bisous, YouTube. On se voit pour un autre cauchemar, hein. Un autre cauchemar en cuisine. Hein. Un épisode. Ah ouais, on peut l'appeler les cauchemars en cuisine. Un épisode aussi, de Taurus, quoi. Taurus et sa compagnie, quoi. La troupe, le cauchemar en cuisine. Bah, finalement, officiellement, je rappelle qu'on est le grenier roulant. Ouais, ouais, toujours pas changé. Je pense qu'on va faire un grenier roulant. Des bisous. Ciao. Des bisous.